Bernadette. Mais très bien. Écoutez, aujourd'hui, je me sens Bernadette... amour. Oh, dites-moi plus. J'aime l'amour, Bernadette. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, c'est un album pour enfants, qui s'appelle « Catcheur d'amour ». Oh, tout un programme. De Gala Vincent. J'espère que ce n'est pas de l'amour violent. Non, alors du tout. Alors, on part au départ sur un match de catch, mais qui ne va pas tout à fait se dérouler comme d'habitude. Il y a un petit twist. Ah, il y a un petit twist. C'est que l'auteur et l'illustrateur a très bien fait d'illustrer. Et les illustrations sont d'ailleurs super. Oh, voyez-vous nous en montrer l'une ou l'autre. Bien sûr. Celle-ci est passionnante. Ah, c'est notre Catcheur d'amour. Alors voilà, on part sur des illustrations aquarelles et crayons. Voilà. Mesdames, messieurs, bienvenue au paradis des gros bras, dans l'enfer des gringalets, dans l'antre des costauds. Je vais vous lire un extrait. J'aimerais beaucoup. J'adore qu'on me raconte des histoires. Pendant un instant, les deux lutteurs ne bougent pas d'un cil. Dans la salle, le temps s'est arrêté. Le cœur de briques de pierre bat de plus en plus vite. Le cœur de catcheur d'amour bat de plus en plus fort. Et là, dans un geste audacieux et définitif, catcheur d'amour et briques de pierre réalisent une figure inattendue. Alors c'est un album que je recommanderais plutôt aux enfants de 3 à 6 ans. 3-6 ans, très bien. En tout cas, je dois vous avouer que mon cœur aussi a battu un peu plus fort. Ça agite le palpitant. Oh oui, tout à fait. Et alors vous-même, vous êtes aujourd'hui Bernadette plutôt... Alors, aujourd'hui, je me sens plutôt Bernadette poétique. Ah. Poétique, c'est aussi d'ailleurs un roman quelque part d'amour, plutôt d'amour filial. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler de Betty, de Tiffany McDaniel, un roman américain. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de Betty, la sixième d'une fratrie 8 enfants, et que son père surnomme tendrement la petite indienne. Et donc cet enfant va être témoin à la fois des injustices, du racisme, des violences sociétales et intrafamiliales au cours de l'histoire des États-Unis du XXe siècle. Donc on retrace aussi une partie de l'histoire des États-Unis. C'est un roman qui est d'une tendresse et d'une poésie remarquable, puisque cet enfant récolte les secrets et les écrit sur des petits papiers. Et il glisse en fait sous des arbres et son père lui raconte des légendes. C'est un très très beau personnage de figure paternelle, ce qui est assez rare dans les romans. Elle en a vraiment une figure paternelle très tendre et bouleversante. Voilà, et en fait, avec tous ces petits fragments d'histoire, elle va devenir conteuse, écrivaine. Et c'est vraiment le parcours de cette petite fille, puis jeune femme, qui va, par la poésie, réussir à transformer la violence et la douleur en quelque chose de beau. Bien, je compte sur un extrait. Écoutez, avec grand plaisir, ma chère Bernadette. T'en es la pipe à la bouche. N'est-ce pas? Et quelle pipe. Grand-père, si tu nous entends. Allez-y. Alors, donc, on voit ici sa relation avec ses sœurs. Je suis allée allumer la radio. Elle passait une chanson que Flossie aimait bien. Tandis qu'elle se tenait le ventre, j'ai défait le drap au coin du lit et je l'ai tiré de sous elle. Avec le stylo qu'elle avait utilisé pour écrire « Je te déteste », j'ai transformé les mots pour en faire les motifs en forme de tourbillon d'une robe que j'ai obtenue en ajoutant à la tache rouge des manches et la jupe. J'ai tracé des bras en prolongement des manches et deux jambes sous le bas de la robe. Au-dessus du col, j'ai soigneusement dessiné le cou et la tête d'une fille aux longs cheveux qui s'étirait pour représenter les cinq branches d'une étoile. « C'est qui ?» m'a demandé Flossie. « C'est notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Cherokee quand elle était jeune. Elle aussi rêvait d'être une star. » En tenant le drap levé, j'ai commencé à tourner avec la fille du dessin au rythme de la musique. Tu sais, il y a une légende cherokee qui raconte que si tu t'arrêtes de danser, le monde s'arrête, lui ai-je dit. Je crois que les femmes de notre famille ont probablement dansé tout le temps. Je crois qu'elles ont dansé quand elles sont nées. Quand elles ont vu pour la première fois l'oiseau qui vole plus haut que le ciel. Quand elles ont descendu la rivière sur toute sa longueur pour prouver qu'elles en étaient capables, alors que tout le monde disait le contraire. Et je sais qu'elles ont dansé quand elles ont saigné pour la première fois. C'est pour ça qu'une tisane n'y changera rien, Flossie. Tu dois danser. Parce que c'est ce que les femmes de notre famille ont toujours fait pour tous les événements de leur vie. C'est pour ça que le monde ne s'est jamais arrêté. Parce que quels que soient les changements ou les souffrances qu'elles subissaient, les femmes dansaient. Elles savaient que le monde devait continuer si elles voulaient voir toutes les bonnes choses découler de ce changement et de cette souffrance. Tu ne veux pas que le monde s'arrête, hein, Flossie? Sinon, tu ne seras jamais une star. Eh bien, ça donne très envie. Mais écoutez, je vous souhaite de magnifiques lectures. Tout à fait. Belle lecture et...
À la prochaine. À la prochaine.